carton de Mésidon, What's Cooking.
gauche sur D40, panneau vers Saint-Pierre-Est, Dives. Continuez sur D40 pendant 5 km.
continuez sur D40 pendant 1 km. Continuez sur D16 pendant 1 km. Saint-Pierre-sur-Dives. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur route de Livarot, D4. Continuez pendant 100 mètres. Dans 400 mètres, prendre à droite sur rue du Moulin d'Antel.
continuer sur D16 pendant 2 km.
sommes à Saint-Loup de Fribourg. Dans 300 mètres, prendre à droite sur route de Paris, D613. Continuez sur D613 pendant 9 km.
continuer sur D613 pendant 8 km.
km.
continuer sur D613 pendant 6 km.
continuer sur D613 pendant 8 km.
sommes à Durange.
sur D613 en direction de Évreux-Conches. Continuez sur D613 pendant 4 km. Continuez sur D613 pendant 10 km.
Sainte-Colombe, la commande. Nous sommes toujours en Normandie, nous dirigeons vers Évreux.
continuer sur D613 pendant 5 km.
0013 pendant 2 km. Écoutez les informations. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 16h21. France Info, le fil info de 16h20. L'élection du président, de la présidente de l'Assemblée nationale. Le premier tour de scrutin vient de s'achever. Il aura duré près d'une heure. Il faut maintenant dépouiller les 577 bulletins. Il y a, on le rappelle, trois tours de scrutin possibles avec des alliances ou des désistements qui auront une issue très incertaine. C'est le jour de ce vote précisément que Laurence Dubiana, que certains partis du Mouvement Front Populaire souhaitent voir devenir première ministre, décide de s'exprimer dans une interview à l'AFP. L'économiste s'était prête à aller à Matignon pour apporter une politique de gauche. Elle s'engage notamment à abroger ou geler la réforme des retraites en cas d'accession au poste de première ministre. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur boulevard de Normandie, N1013, en direction de Paris, Dreux. Nouveaux éléments cet après-midi dans l'enquête sur la voiture qui a foncé hier soir sur la terrasse d'un bar dans le 11e arrondissement de Paris en faisant un mort et 6 blessés. Il pourrait s'agir d'un acte intentionnel selon le parquet de Paris qui privilégiait jusqu'à présent la piste accidentelle. Le conducteur impliqué a dit qu'une voix l'avait poussé à commettre cet acte. Sa garde à vue a été levée, il a été admis dans un service psychiatrique. Bilan très lourd après l'incendie de la nuit dernière à Nice, 7 morts dont 3 enfants et un adolescent. Selon le parquet de Nice, la piste. Et on va faire le tour du rond-point. Les témoins assurent 3 personnes dans la fuite à l'endroit où l'incendie est monté. Au rond-point, prendre boulevard de Normandie. Continuez pendant 100 mètres. Au rond-point, prendre boulevard de Normandie. Et la table du Premier ministre qui s'est rendue sur place confirme que 3 individus sont actuellement recherchés. La contestation étudiante qui a déjà fait une vingtaine de mois un courage dégénère. Les manifestants ont mis feu cet après-midi au siège de la principale chaîne de télévision publique. Beaucoup de personnes sont coincées à l'intérieur selon les faits. Continuez sur N1013 pendant 4 km. L'arrière de cette chaîne. France Info, selon RFI, Journal Monde, aujourd'hui à 12h12. Sur 719 membres.
Nous aurons notre objectif de 90% pour 2040 dans notre loi européenne sur le climat. Et une autre en direction de la gauche qui attendait une action pour le logement. This is why... C'est pourquoi, pour la première fois, je nommerai un commissaire directement responsable du thème du logement. Ce qui est crucial, c'est que la majorité qui domine aujourd'hui soit une majorité de groupes démocrates pro-européens au sein de cette assemblée. Car nous devons empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. L'extrême droite votera contre le président jugé déconnecté des réalités. L'extrême droite aussi, avec une radicalité jamais vue ici. Une députée polonaise du nouveau groupe de l'Europe des Nations Souveraines accusée Ursula von der Leyen d'être responsable, je cite, des viols commis par les migrants. Continuez pendant 2 km. Julien Chabad, Strasbourg, RFI. Volodymyr Zelensky est au Royaume-Uni aujourd'hui. Le président ukrainien a rencontré le roi et le premier ministre. Il participe aussi au sommet de la CPE, la Communauté politique européenne, créée en 2022 après l'invasion de l'Ukraine pour renforcer les liens entre l'Union européenne et les autres pays européens. Chinois qui promet d'approfondir les réformes, éliminer les risques en particulier dans le
sur les téléphones au Bangladesh. Décision des autorités, disent-elles, pour des raisons de sécurité, alors que les dernières manifestations étudiantes ont... Au rond-point, prendre route d'Orléans. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur N1013 en direction de Dreux, Alençon. Au rond-point, prendre route d'Orléans. Au moins 9 morts, la justice peut-elle régler cette question des quotas dans la fonction publique que contestent les étudiants? Analyse de la situation avec Nordine Tricy. Au Bangladesh, on est sur une démocratie de face à face. Comme vous le savez, Sheikh Hasina vient d'être élu. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur N1013 en direction de Dreux, Alençon. Deuxième fois pour un nouveau mandat anti-démission dont le processus neutre indépendant est très contesté et très controversé, mais il a été réélu en janvier 2024. Elle a pu aussi être réélu grâce aussi aux compétences du parti d'opposition à l'UBN, le parti nationaliste bangladais. Si on regarde les choses de l'extérieur, effectivement, il a été réélu, il y a un parlement qui ne joue absolument pas de rôle et dans ce cadre-là, la justice est clairement instrumentalisée par le courant d'Ex. La justice aujourd'hui, elle est aux mains de Sheikh Hasina. Donc que Sheikh Hasina dise qu'elle se remette à la justice, c'est juste un crucifixe, puisque de toute façon, la justice va aller du côté du pouvoir. Il est arrivé à un moment très récent de l'histoire du Bangladesh où le président de la Cour suprême a battu pour être démis de ses fonctions, il a dû partir, forcer de partir, parce qu'il y a eu une controverse entre le pouvoir d'Ex et la magistrature sur le degré d'indépendance qui était donné aux magistrats. Nordine Tricy du cabinet d'expertise ND Consultants avec Yelena Tomic-Jarifi. À droite, il y a Anser, député français. Rond-point, prendre N1013. C'est Élise, aujourd'hui, leur président. Leur président, il y a... Continuer pendant 7 km. 6 candidats en tout dans une assemblée fragmentée. Trois adultes, trois enfants âgés de 5, 7 et 10 ans, et un adolescent.
circuler sur N13 pendant 19 km. 61 km 300 avant l'arrivée ici à Bassonnet. Merci beaucoup Nicolas Jean-Jean-Roy. Tout à l'heure, la météo demain sec et ensoleillé sur toute la France. Avec des rares doubles matin, demain matin, ce sera entre 15 et 20 degrés en général, jusqu'à 24 en Méditerranée. Puis l'après-midi, ce sera la plus chaude de la semaine, jusqu'à 38 degrés à Nîmes. Les courses en nocturne à Vichy. Départ à 20h15, voici les pronostics d'Alexandre de Coupman. Le 11, le 7, le 15, le 9, le 10, le 14. Attention, le 12 est en partant. Et l'outsider de RTL, c'est le 15. Guinness Star, RTL, 16h30. Je rends le micro, Caroline Chimou. Je vous remercie, Vincent, mais je vais prendre vers 17h, ne vous inquiétez pas. Pour le rire et pour la culture, on commence tout de suite 7h avec les meilleurs moments des grosses têtes de Laurent Ruquier. Ça s'est passé cette saison. Radar fixe.
Christophe qui? Ça va? Christophe, attends, je te reconnais pas. Hein? Ah, ah oui, salut. Salut, non, on se connaît pas. Ouais. T'avais Maëva au téléphone? Non, pourquoi? Ah, parce qu'à priori, elle m'a dit que t'es au courant, là, il faut que tu viennes sur, sur Villiers. Sur? Sur Villiers. Ah ouais, mais moi, je dois aller à Strasbourg avec ma remorque, pourquoi? Oui, on fait un relais. Ah, d'accord. Parce donc... que je me sens pas bien et il faudrait que je rentre. Ouais. Et elle m'a dit qu'elle a vu avec toi, que c'est bon. Non, elle m'a pas appelé. Elle t'a pas appelé? Faudrait lui dire de m'appeler parce que il faut, faut quand même que qu'elle me le dise. Hein. Oui, oui, mais tu as déjà été à Survilliers chez TW? Comment ça s'appelle? Truc and Wheel à Survilliers. Bah, il faudrait m'envoyer l'adresse aussi, si c'est confirmé par Maëva, je viens, d'accord. Mais il faut m'envoyer l'adresse exacte parce que je sais pas du tout où c'est. Hein. Ouais, bah écoute, je te l'envoie quand j'aurai raccroché. Et tu dis à Maëva de m'appeler pour confirmer parce que moi je prends des ordres que du chef. Hein. Oui, 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 parce qu'elle m'a dit, je dis à Henri de te rejoindre à Survilliers. Ouais. Elle m'a donné ton numéro et elle m'a dit il est au courant, appelle-le. Non, moi je suis pas au courant. D'accord. Ouais. Ben voilà. Donc on fait un relais. Ouais. Tu t'expliques, on fait le relais. Ouais. Moi je vais pas pouvoir parce qu'il faut que je coupe encore 5h30. Ouais. Et toi tu pourras rester ici pour couper, il faudra recharger demain à Crépy-en-Valois. Ouais. À 13h. Ouais, d'accord. Ben il fait. Ouais, d'accord. Pour livrer à l'IDR Game quoi. Ouais, d'accord. Tu as quel niveau toi déjà? Ben là je suis parti de Caen et là j'arrive bientôt sur la A13. Ah, du côté de Mantes-la-Jolie. Ah ok. Ouais. Tu rentres sur l'adresse alors? Ben tu m'envoies tout là où on doit faire le relais, s'il y a de la place. Oui, 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 oui. C'est quoi? C'est un parking, c'est quoi? C'est un dépôt. Ah, t'es au dépôt, toi, tu es au dépôt de l'entreprise? Non, au dépôt à Survilliers. Ah, il y a un dépôt. Truc and Wheel. Ouais, d'accord. Ouais, bah, tu m'envoies tout et j'y vais. Ouais, voilà. Et dis à Maëva de m'appeler pour confirmer. Oui, 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 je lui envoie un message et je lui dis. Ouais, d'accord. Ok, bah, écoute, on se rappelle. Ouais, d'accord. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Ce qui peut intéresser dans les cendres de cet ancien géant, ce sont ses 200 sites partout en France et surtout sa précieuse licence de distribution de courrier. Il n'en existe que deux en France et c'est la Poste qui a l'autre. Il se murmure bien qu'un conglomérat de repreneurs pourrait faire une offre pour tenter justement de concurrencer la Poste dans le courrier. Mais la tendance n'est pas à l'optimisme. Il y a quelques années, me disait un responsable syndical, on a dû se battre pour demander une réduction du poids des prospectus. Aujourd'hui, c'est à peine s'il espère la sauvegarde de quelques centaines d'emplois. Le rendez-vous écho de ce jeudi matin, c'est signé Pierre Bulot. Vous pouvez rêver. 17h56. 17h58, l'enfer, le périph. 18h. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Selon BFM, invité Good Morning Business, aujourd'hui à 9h02. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque. Des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients. Et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. Ok Google, appelez affrètement à CJ Trans. Allô? Oui, allô, c'est
c'est Henri à l'appareil. Oui, Henri. Il paraît que je dois faire un relais. Oui, je vous ai envoyé sur vos deux téléphones le message. Ah ouais, mais je roulais, j'ai pas vu le message. D'accord. Maman, je vous ai envoyé le message. Vous le faites à survider chez Truckin' Miller, c'est bon, ouais. Vous inquiétez pas. Et je veux dire, ce que j'ai là dans le frigo, il faut le livrer, je sais plus à quelle heure. Ouais. Je comprends pas ce que vous dites. Vous avez dit quoi? Je veux dire. Quand vous m'avez, qu'on m'avait dit de charger chez What's Cooking, m'a dit qu'il faut se dépêcher pour livrer. Oui, c'est pour ça que c'est l'autre qui va le livrer. Ouais, d'accord, ouais. Donc, d'accord. Donc, il m'a dit qu'il m'a envoyé l'adresse exacte, on fait le relais et voilà. De toute façon, vous connaissez chez Truckin' Miller sur Villiers, vous avez souvent livré là-bas déjà. Je m'en rappelle plus, ça, je m'en rappelle plus. Vous en rappelez plus, d'accord. De toute façon, il vous l'envoie, ok? Ouais, d'accord, ouais. Super, vous m'appelez s'il y a quoi que ce soit, d'accord? Et je recharge demain à 15h, c'est ça? Non, à 13h j'ai écrit. J'ai écrit. Je vous l'ai écrit à 13h. Ouais. D'accord, je verrai sur SMS. Dès que vous êtes là-bas à l'arrêt, de toute façon, vous regardez tranquillement le message, vous avez toutes les infos. Ouais, d'accord, ouais. On fait comme ça? Oui. Et c'est pour quelle destination? C'est pour Niederwiller? C'est pour Niederwiller, mais donc vous avez mon message si vous avez toutes ces infos? Ouais, mais là je roule, je peux pas voir les messages. Pas de soucis, donc dès que vous êtes à l'arrêt, vous regardez, d'accord? Ouais, d'accord. Merci. Votre marque en voie supérieure dès aujourd'hui. BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, présenté par Stéphane Pedrazzi. 6h59, bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour la matinale de BFM Business. Nouvelles interrogations ce matin dans l'élection présidentielle américaine. Joe Biden, candidat à sa réélection, est désormais atteint du Covid. Quelques heures avant cette annonce, le président américain avait indiqué qu'il réévaluerait sa candidature en cas de problème médical. Nous irons aux États-Unis dans un instant. Un échec pour la filière nucléaire française. EDF n'a pas été retenu pour construire deux réacteurs en République tchèque. Le groupe était pourtant parti favori. De son côté, la Cour des comptes étrille la filière hydrogène en Europe en termes d'objectifs et en termes de financement également. Patrick Boucli, le président de France Hydrogène, sera mon invité tout à l'heure à 7h45. Et puis on parlera ce matin des ambitions internationales de Fnac Darty. Le groupe souhaite racheter le distributeur italien Unieuro avec le soutien financier de son principal actionnaire, Daniel Kretinsky. Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty, sera l'invité de la matinale à 8h15. Très bonne matinée. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Tout de suite, le journal Stéphanie Collomb. Et c'est un véritable coup de tonnerre pour EDF. Ouais, parti favori, le groupe perd finalement un appel d'offres important en République tchèque. C'était pour construire deux réacteurs. Un échec qui interroge sur le succès du nucléaire français à l'export et l'équation financière des prochains EPR en France. Explication avec Mathieu Pacheperti. C'est une immense déception pour EDF qui avait placé beaucoup d'espoir en République tchèque pour se relancer à l'international. La défaite est d'autant plus difficile à encaisser qu'elle intervient 2 ans après avoir déjà échoué face aux Américains de Westinghouse en Pologne. L'électricien peine à vendre ses EPR à l'étranger alors que le gouvernement français a pesé de tout son poids dans les négociations. Cette fois, EDF a perdu contre les Coréens de l'ancien KEPCO qui lui avait déjà infligé une mémorable défaite à Abu Dhabi il y a 15 ans. Ils ont notamment tiré les prix à la baisse alors que les finances d'EDF ne lui ont pas permis de s'aligner. Les Coréens ont proposé 8,5 milliards de dollars alors que les EPR français coûtent au moins 10 milliards chacun. Cet échec relance le débat sur le coût du nucléaire alors que EDF planche sur l'équation financière des 6 prochains EPR à construire en France d'ici 2050. Alors si EDF connaît cet échec en République tchèque, le groupe reste en Europe un acteur majeur du nucléaire et de sa relance, Nathan Cocampo. Oui, au total, en Europe, on compte un peu plus de 100 réacteurs nucléaires en service dans 13 pays. Derrière la France, avec ses 56 réacteurs, l'Espagne est le deuxième producteur, puis la Suède et la Belgique. Aujourd'hui, un quart de l'énergie de l'UE est d'origine nucléaire et la moitié est uniquement produite en France par EDF. Donc, la France qui veut fortement relancer sa filière avec la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires à partir de 2026. Globalement, EDF participe vivement à la relance du nucléaire en Europe, notamment. Allô ? Oui, c'est Christophe. Oui.
reçu un message, mais quand je roule, je regarde pas les messages. D'accord. Ouais. D'accord. Bah, je pense que je l'ai reçu, j'ai vu quelque chose. Ouais, bah, il faudra quand même que tu le regardes pour moi, pour régler ton GPS. Ouais, je vais m'arrêter quelque part et je vais le régler. Ouais, ma maman m'a dit que t'as envoyé un message. Ouais, mais moi, quand je roule, je regarde pas les messages. Moi, je touche pas au téléphone, il est sur le tableau de bord et il est branché sur la Bluetooth. D'accord, d'accord. Mais que tu sois au courant, quoi. Ouais, d'accord. Parce que je pense pas qu'elle va t'appeler. Bah, je viens de l'appeler, Pardon ? Je viens de l'appeler. Ah, ok. Ouais. Elle m'a confirmé, alors. Ouais, elle m'a confirmé, ouais. Ok, ça marche. Ben, quand tu viendras, je t'enverrai la photo du chargement. Ouais. Ouais. Comme ça, toi, tu pourras aussi couper ici, et puis demain, il faut être là-bas à 13h. Ouais. T'as même pas une heure de route, hein, de ici. Ouais. Ça marche ? Ouais, ça marche. Ok, bah écoute, à plus tard alors. Et je veux dire, sur Villiers, c'est un coin perdu ou c'est où exactement? Écoute, tiens, c'est derrière l'aéroport Charles de Gaulle. Ah ouais, d'accord, ah ouais, là, ça me dit quelque chose. Ah ouais, mais oui, je me rappelle maintenant que j'y étais. Ouais, ouais, c'est là où tu as vidé les médicaments là-bas. Non, 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 non. Ah, c'est pas ça, ouais. Non, non, on vide des chaussures qu'on cherche en Allemagne. Ah ouais? Ah, il y a des lignes en Allemagne? Ou alors des pièces de voiture. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais il y a une ligne qui va en Allemagne chez l'entreprise? Pardon? Et on va en Allemagne chez ACJ? Là, je te comprends pas. Je veux dire, il y a dans l'entreprise, on va en Allemagne de temps en temps? Oui, 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 oui. On va où? Monsheim. Ah? Monsheim. C'est où ça? Ah ouais, d'accord, ouais. Ah, je savais pas. Ouais, d'accord. Ouais, moi j'ai fait, c'est la deuxième fois que je fais cette semaine. Ah ouais, d'accord. J'ai fait lundi et j'ai fait aujourd'hui. Ouais, d'accord, je savais pas, ouais. D'accord. Ouais, ouais, bon, t'auras peut-être l'occasion de le faire. Ouais. D'accord. A priori, t'as pris l'autoroute payante? Non, en fait, quand je suis parti de Caen, j'ai fait Lisieux, Évreux et maintenant je rejoins l'autoroute. Et après, à Montagne-Jolie, tu reprends l'autoroute? Ouais, ben, là je suis à 2 km de l'autoroute, là je vais reprendre l'autoroute. Mais attention, il faut que tu ailles direction Saint-Denis plutôt, pour monter par l'autre côté. Ouais, si tu veux faire le grand tour, quoi. Ouais, je sais pas parce que je prends souvent par le sud. Mais des fois, la 86, des fois par le nord, elle est fermée. Oui, mais tu peux prendre la 86, mais par l'autre côté, quoi. Ouais, par la 14. Ouais, on la rend haut, là, ouais. Ouais. Normalement, quand je suis sur la 13, je prends direction A14, et c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il y a la 86, elle est seulement pour les voitures. Donc, en fait, si je continue sur la 13, direction A14, après, je peux rejoindre la 86. Avec le camion. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, mais dès que tu peux, tu suis Charles de Gaulle. Ouais, d'accord. Aéroport. Ouais, d'accord. Charles de Gaulle. Ouais. Après, tu arriveras, il faut passer derrière sur la nouvelle route qu'ils ont faite là, la 104. Ouais. Derrière Charles de Gaulle. Ouais. Et par là, tu arrives. Ouais, d'accord. Mais arrête-toi et regarde l'adresse, on le met dans ton GPS, hein, parce que sinon, tu vas être perdu. Ouais, d'accord, ouais, mais ça je le ferai de toute façon. Ouais, ouais, ça marche. Ouais. Ok, mais je vais me reposer encore un petit peu. Tu te reposes encore combien de temps? Bah écoute, là je vais avoir 5 heures encore de coupure. Ah bah ouais, donc je peux prendre, j'ai du temps, je peux m'arrêter à la station pour boire un café. Oui, oui, largement. Ouais, d'accord, ouais. Largement, écoute, là je suis en coupure, j'ai 3h48 de coupure. Ouais, donc ouais, d'accord, ouais. Ouais. De toute façon, après, il faut que tu gardes le frigo là quelque part, et puis après, il faut quand même que j'attends que ma coupure soit terminée, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Ça marche? Ouais, ça marche, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Henri. Salut. Salut. Au Royaume-Uni, l'entreprise française construit
construit deux EPR à Hinkley Point. Deux autres EPR sont construits à Sizewell. Et de nombreux projets sont aussi relancés en Pologne, Slovaquie, Slovénie et bientôt en Suède. Les députés suédois ont décidé il y a 14 ans de revenir sur la décision d'abandonner progressivement le nucléaire. En plus des 6 réacteurs existants, deux autres seront construits dans les 10 prochaines années. Et EDF est aujourd'hui bien positionné en discussion étroite avec son homologue Vattenfall. Enfin, d'autres pays sont en phase de réflexion comme l'Italie ou encore les Pays-Bas qui souhaitent construire là aussi de nouveaux réacteurs en plus du seul réacteur existant du pays. EDF est toujours autour de la table des discussions avec le Sud-Coréen KHNP. Merci Nathan. Et puis toujours à propos d'énergie, Vinci et Siemens décrochent un contrat de près de 3 milliards d'euros. Ensemble, les deux groupes vont concevoir, construire et installer deux plateformes d'un parc éolien en mer du Nord. Et puis toujours dans le secteur de l'énergie, on parlera de la filière hydrogène tout à l'heure à 7h45 avec Philippe Boucli, le président de France Hydrogène. Aux États-Unis, Stéphanie. Dans 600 mètres, prendre la sortie. Et ça se complique pour Joe Biden. Covid, il a été testé positif hier, mais dit se sentir bien. Un peu plus tôt, il avait déclaré qu'il pouvait se retirer de la course à la présidentielle si un problème médical lui était détecté. Benoît Ballet à Milwaukee, dans le Wisconsin. Prendre la sortie, puis rester sur la file de droite. Merci. Je me sens bien. Voilà la déclaration qui se veut rassurante de Joe Biden avant de monter péniblement dans son avion. Restez sur la file de droite, puis vous arriverez à destination. Du Nevada au Delaware où il va s'isoler dans sa maison de vacances. Le président américain est vacciné, il souffre de symptômes légers au niveau des voies respiratoires supérieures, le nez qui coule, la toux sèche, mais sa fréquence respiratoire est normale selon son médecin qui lui a donné une dose d'antiviral. Joe Biden continuera d'exercer ses fonctions. Dans 300 mètres, rejoindre la 13. La Maison Blanche, mais cet isolement forcé tombe au pire moment pour lui, contraint de cesser sa campagne. Dans l'air de Villeneuve sur la A13.